Coucou à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on regarde ensemble, on s'occupe de l'atelier euh, FFG pour débutants. Donc le principe c'est quoi C'est vous êtes débutant entre 30 et 15 Q, vous avez envie de recevoir des commentaires et que vous soyez le roi de la soirée, et eh bien c'est euh, là, on a changé un peu les le horaires en plus, c'est le soir euh, pour l'instant et à mon avis on va peut-être rester sur le soir en week-end d'ailleurs, enfin euh, ben, le soir euh, en semaine. Et donc du coup, vous, vous jouez un 9-9, un 13-13 pendant 10 à 15 minutes. Et euh, vous recevez un commentaire directement lors de cet atelier, jusqu'à la fin du, du temps imparti. Donc n'hésitez pas à profiter de ce moment, ça vous permettra de progresser. Et euh, vous allez rencontrer d'autres débutants aussi, avec qui vous pourrez continuer de jouer. Donc on va regarder la partie de Naora et de Zoé en premier, donc euh, à peu près 15 Q euh, les deux joueurs. Euh, pour moi, il y a eu un petit problème, c'est que ici, dans cette partie noire, n'a pas osé aller chez blanc pour détruire des points. donc, euh, il faut faire attention à aller chez l'adversaire. c'est quelque chose, quand on débute, qui est très compliqué, parce qu'on n'ose pas, on n'ose pas jouer loin de ces pierres. vous imaginez, jouer à un endroit, et puis devoir jouer à un autre endroit, c'est très, très loin de, des pierres qu'on a jouées, et c est, c est, on peut se faire facilement séparer. qui dit se faire séparer, dit par exemple euh, aussi euh, bah, ne pas euh, euh, devoir vivre, devoir faire des yeux à l'endroit où on est. Donc, qu'est-ce que c'est les yeux Je rappelle, ce sont euh, deux intersections dans votre euh, groupe qui vous permettent de vous assurer la vie de votre groupe pour que, entouré d'adversaires, vous ne puissiez pas vous faire capturer. Globalement, je le montre rapidement, mais si on est noir et que blanc est autour de nous, et eh bien le coup pour vivre de noir sera celui-là. On voit que N10, N13 et N11 sont deux yeux. Donc il faut arriver à faire ça quand on va chez l'adversaire. Il faut essayer d'arriver à faire ce, ce pas cette position là, mais un groupe qui va avoir un espace de vie, donc un nombre d'intersections en dessous de ses pierres qui puisse faire deux intersections comme celle-ci. Dès qu'on a ça, on est sûr d'être vivant. Et mission réussie pour l'invasion. Quand il y a plein de pires adverses, on appelle ça une invasion. On va chez l'adversaire et on lui dit :« Je vais pas te laisser faire quoi. » Donc ça c'est important. Il faut vraiment faire attention. On ne veut pas forcément. Euh... Ah, zut. La partie se joue alors que j'ai joué des trucs là. <laughs> c'est rigolo. Euh, je... Attendez, je les enlève. <coughs> zut. C'est où Ah, c'est là que je dois l'enlever. Alors boum 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 boum. On continue. Alors, du coup, euh, Zoé, tu viens jouer en, en K4. On va commencer par un petit peu de politesse. La politesse au Go, c'est qu'on vienne jouer en haut à droite du plateau. Alors, ça veut pas dire que tu n'es pas poli, hein, Zoé, je te rassure. Euh, en haut à droite, il y a ce triangle de politesse. Donc, on considère que vous êtes devant votre adversaire hein, sur un vrai plateau et vous allez vous tendre. Vous allez tendre votre bras euh, pour aller jouer un coup proche de chez lui. Donc on imagine qu'il est sur le, le côté haut du plateau. Et donc on va jouer sur ce triangle, triangle compris. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien jouer au milieu du plateau et ce serait poli. Euh, donc on va plutôt, par exemple, commencer à jouer un coup sur le coin haut droit du plateau. C'est une convention, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on peut jouer où on veut sur le plateau. Finalement, euh, ça revient au même. Mais disons que... Par politesse, souvent on a envie d'être poli au go parce qu'on est très gentil. C'est un jeu très respectueux. On dit bonne partie en début de partie et on dit merci à la fin. Alors même si on a perdu, on dit merci, ce qui est quand même ce qui est quand même euh, marque de respect. Et, euh, parce qu'on a passé un bon moment dans la partie en général. Alors évidemment, c'est jamais gai de perdre, mais euh, c'est quand même. Il s'est quand même passé quelque chose, un combat entre deux esprits, ce genre de choses. Donc, blanc vient jouer ici, c'est un Oshi, et noir Oshi, blanc vient jouer Komoku. Donc, Oshi, c'est un coup en 4-4. Quatrième ligne, quatrième ligne. Komoku, c'est un coup en 4-3. Quatrième ligne, troisième ligne, tout simplement. Pas besoin de rappeler, en tant que débutant, vous allez entendre des mots, du jargon. Très 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 souvent, ça va rentrer petit à petit. Ne pas besoin d'étudier par cœur, pas besoin de vous de devoir vous mettre la pression. Oh, je comprends pas ce mot. Si vous ne comprenez pas un mot que je dis là ce soir, n'hésitez pas à le dire comme ça. Bah, je vous le, je vous dirai ce que c'est tout simplement. Tout tout va bien, Manu. Hein, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Euh, j ne vous inquiétez pas. J ai, j ai, je vous montre la partie, elle bouge. J'ai le contrôle. Ne vous inquiétez pas. Je la, je la charge en analyse privée en fait, tout simplement. Et salut euh, Shogi Gunjin. Alors tu parles de quoi C'est dans tous les pays Tu parles de, du triangle de politesse? C'est dans tous les pays, dans tous les pays, ouais. C'est une sorte de convention. En général, on commence en haut à droite, ouais. Alors du coup, Noir commence par le coup en G4, qui est un, une extension de cette pierre en, en, en K4. Ça fait pas de point parce que c'est en quatrième ligne, mais ça développe en tout cas le bord droit. Plus une partie du bord bas. Pourquoi ça fait pas de point Parce que un coup en quatrième ligne. Donc quatrième ligne par rapport au bord bas. Ça peut être aussi, euh, évidemment, quatrième ligne par rapport au bord droit, vous voyez Mais pas cette pierre. Donc, euh, en fait, ce que je vous montre, c'est qu'on part du bord pour aller vers le centre. C'est comme ça qu'on compte les lignes au, au go. Ce ne sera pas dans l'autre sens, quoi. Ce ne sera pas première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Ce sera toujours du bord vers le centre, quand on parle. Et du coup, c'est un coup en quatrième ligne. Et un coup en quatrième ligne, on... bah, Blanc, il peut très très bien jouer en dessous, s'il veut. Mais du coup, où sont les points que noir voulait faire en bas donc si on veut faire des points on va plutôt envisager de jouer bah, sur la troisième ligne par exemple quelque chose comme ça vous voyez on a joué un coup en troisième ligne c'est plus facile pour faire des points donc je pense qu'ici zoé ton coup n'est pas mauvais mais ton adversaire peut jouer en dessous de toi parce qu'il a une pierre en, en, Q, en D3 et donc du coup peut-être que ça ça aurait été plus un petit peu plus intéressant pour tout de suite fermer ta porte c'est à dire fermer la porte c'est quoi C'est dire euh, bah attends il va rentrer là et t'as peut-être pas envie. Donc si tu viens jouer tout de suite ça, bah il devra jouer ici et tu pourras fermer quand même. Donc ça c'est un bon moyen pour essayer de garder ses points à un endroit où on joue, c'est de jouer en troisième ligne et de fermer la porte, comme on dit. C'est ça euh, Shogi C'est les, les, tous les points noirs que vous voyez sur le plateau, c'est les Hoshi. Mais en général, on parle du Hoshi, on parle du point 4-4. Donc 4-4 sur les 4 coins. Quoi. Euh, du coup, la partie continue. Blanc verrouille son coin. Donc euh, ferme le coin en deux coups. Il a, on appelle ça un Shimari. Et ça fait environ à peu près 15 points sans extension. C'est-à-dire que Noir a joué à un, à un endroit, ici en, en G4, que Blanc aimerait avoir comme extension. Mais ici, noir, Blanc ne l'aura pas, puisque Noir y est déjà. Qu'est-ce que noir peut faire maintenant Ben noir a plusieurs choix. Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat quels sont les autres choix que noir peut avoir Et je ne veux que les débutants s'il vous plaît. Quel autre coup noir peut jouer sur le plateau qui pourrait être intéressant Et Zoé peut répondre aussi si elle a une autre idée. Dites-moi sur le chat, j'attends d'eux, j'attends une petite minute. Alors Finalement, comme je l'ai dit, donc le Tengate est un OSHI aussi finalement. Alors Zoé dit C11, d'accord, tout à fait. C'est tout à fait une possibilité. F11, tout à fait une possibilité. Donc ce qui a été joué dans la partie, c'est C. c. Euh, C7. On va en discuter du coup. C'est peut-être un peu agressif. En fait, je pense que toutes les, toutes les solutions plus au étaient, euh, ont plus ou moins été données. Euh, on va commencer par tout de suite parler de, de, de D, donc ce coup-là. Le problème de ce coup, c'est que oui, il est chez l'adversaire, mais il n'a pas de place pour faire une base de vie. Donc une base de vie, c'est quoi C'est une autre extension de cette pierre sur la troisième ligne. Il n'y a pas de, beaucoup de place en fait. Donc du coup, est-ce qu'on a vraiment envie d'y jouer pour l'instant Si on doit détruire des points, oui. Mais actuellement, une invasion n'est pas forcément, en tout cas sur ce bord gauche, forcément utile. Ce coup-là est très très bien. Ce coup-là est très très bien aussi. Pourquoi Parce qu'il développe beaucoup de points sur ce bord haut. Et en plus, c'est un bord que les deux joueurs veulent. Et en plus, on peut voir quoi On peut voir que finalement, bah Zoé pourrait travailler un. tout le bord droit du plateau. Ça peut être très très intéressant pour Noir ici comme développement. Donc je pense que moi, en tant que Noir, j'ai envie de jouer ce coup-là. Ça, c'est déjà mon avis à moi. Il y a aussi, évidemment. L'invasion San San, donc Sansan San 3-3 en japonais, euh, en séance, tout simplement, qui est possible, qui fait des points, qui enlève des points à l'adversaire, euh, mais qui ne développe pas le bord -o. Donc, du coup, c'est vraiment comme vous voulez. Ici, je considère que le coin et F11 sont très très bien, pour les, deux, pour les deux constructions possibles. Ce coup ici, c'est pas un mauvais coup. Par contre, tu mets beaucoup de pierres pour tes points. Attention, c'est pas forcément encore des points encore une fois puisque c'est que des coups en quatrième ligne, mais du coup tu laisses ce coup-là à ton adversaire. Blanc blanc a tout à coup l'opportunité d'agrandir ce bord haut qui aurait été intéressant. Et tu te dis peut-être, Zoé, mais si je joue ça et que lui vient jouer par là, en vrai, c'est pas grave. Parce que t'as joué sur un bord intéressant, il n'a pas forcément répondu à ton coup. Ici, il vient jouer à un endroit où il n'a pas la place de faire deux yeux non plus. Si tu pinces par exemple, il n'y a pas beaucoup de place. Tu pourrais aussi. Taper sur la pierre, faire tes points sur le bord haut, et Blanc n'a pas beaucoup de place non plus. Et par exemple, tu peux même fermer tes deux coins pendant que Blanc doit fuir. Et après, tu vas aller pouvoir prendre son coin, euh, jouer une pince du Yoshi, il y a plein de possibilités. Mais du coup, pour moi, ici, il y a un moment très important, puisqu'on a vu comment s'est terminée la partie, c'est que ben, Blanc va probablement avoir un premier coup sur ce bord haut avant noir. Blanc dans la partie vient jouer le coup en, en L3, prendre le coin de Noir, et en vrai, ben, Blanc a raison. Pourquoi Parce que Noir a joué des coups qui sont très loin du Yoshi, alors très loin. En fait, il faut savoir que si tu veux, Zoé, protéger un peu plus ton coin, tu vas jouer plutôt un coup qui va être plus proche de ton Yoshi. Ça, c'est aussi possible pour verrouiller son coin. Tu peux jouer ça, tu peux jouer ça, tu peux jouer ça. Ça verrouille un peu plus le coin. Tu, tu gardes les points du coin. Mais si tu joues loin et haut, il ben, y a plus de possibilités pour que ton adversaire vienne te piquer les points du coin. Salut Norn. Donc ici, ben, Blanc a bien raison de, de prendre le coin. Je pense que c'est très bien. Noir bloque de ce côté-là. Donc va faire des points sur le bord droit. Et attention, on a envie de, ra de faire en sorte que le coin de Blanc soit tout petit. Donc on va plutôt jouer par là. Là, on peut imaginer un résultat comme celui-ci. Euh, par exemple. Boom et blanc va oula pas faire ça blanc va faire un truc comme ça et puis va jouer ailleurs éventuellement on voit quoi on voit que blanc a fait les points mais il est enfermé dans le coin si maintenant Zoé tu commences par là ton adversaire va faire ça et puis va partir par là et va agrandir un petit peu ce coin vers le bord bas et c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas forcément envie donc c'est ce qui s'est passé dans la partie certes tu fais les points à droite mais tu aurais quand même pu les faire en faisant en sorte que blanc soit plus petit maintenant blanc n'est pas forcément vivant encore parce que tu peux peut-être euh, envisager de jouer euh, quelque chose qui va réduire la base de vie, ce genre de choses. C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Mais en termes de, de direction, en tout cas, le bord droit c'est intéressant à développer, c'est vrai. Tu viens jouer le coup en N2, qui est un peu petit. Donc tu vois ici par exemple, Blanc lit ses pierres en bas à gauche. Euh, ne répond pas à ton coup. Donc quelque part dit tu peux me capturer ma pierre, c'est pas si dramatique que ça. Tu ne le fais pas, tu viens tout de suite jouer ça, et tu verrouilles du coup, enfin tu, tu fermes ton côté droit. C'est vrai que tu fais un très gros côté droit, Zoé, mais Blanc vient de faire des points en bas. Et maintenant, peut jouer un autre gros coup qui est très intéressant. Donc pour moi, ici, je pense qu'à ta place, j'aurais fait plutôt quelque chose comme ça pour relier mes pierres et ensuite quelque chose comme ça. Et là, tu développes quelque chose de très, 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 très gros. Vraiment, ça c'est gigantesque. Ça, c'est très difficile pour une bourre blanc. S'il doit envahir, il doit faire quelque chose. Mais s'il envahit noir pour envahir après chez Blanc, la partie est compliquée pour Blanc ici. Donc oui, Naora, prendre le coin était très intéressant. Mais à ta place, j'aurais quand même posé d'abord cette question ici. Parce que le bord haut peut être intéressant pour toi parce que tu développes à partir du coin en haut à gauche des points sur le bord haut et des points sur le bord gauche. Tu vois, toutes tes pierres sont liées. Donc ils peuvent faire plein de points. Contrairement à deux groupes à des pierres qui ne sont pas liées et qui doivent faire deux yeux de chaque côté. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent Dites-moi sur le chat. Alors j'ai vu que les autres parties étaient finies, ne vous inquiétez pas. Euh, Rejoignez-nous euh, sur, le, sur le chat euh, euh, Twitch. Du coup, est-ce que tout est clair pour vous Je pense que ça, en termes de début de partie, c'est important. Parce que... Au début de partie, on essaye d'envoyer de nos soldats, parce que les pierres sont des soldats, en, 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 en gros. Euh, vous, aimeriez, vous aimeriez les envoyer à des endroits quand même pour empêcher votre adversaire d'avoir de trop belles zones. Trop belles zones, de trop grandes zones. Et c'est important de, de faire attention à ça. Donc là, l'attaque, je pense que le, le Sansan n'est pas mauvais, mais il est un tout petit peu trop tôt, on aura. Alors dans la partie... Donc il se passe ceci. Blanc a l'occasion du coup de jouer sur le bord haut. T'as moins l'habitude du 13-13 maintenant Alors, Naora, oui, tout à fait. Après, le raisonnement est valable en 19-19, hein, si ça peut te rassurer. Ah, ça marche, Shogi. Donc, Blanc vient jouer ce coup-là. Noir kick la pierre, donc construit aussi, hein, parce que ça, on appelle un kick. Donc, c'est un Kosumi-Tsuke. Kosumi, kosumi c'est le coup en diagonale et Tsuke, c'est coup de contact. Et en jouant ce coup-là, Blanc gagne un mur maintenant pour développer des points de ce côté-là, quoi. Par exemple, comme ça. En faisant ce coup forçant en J11, Blanc a gagné un mur qui lui permet de développer plein de points sur le, le coin en haut à gauche. Donc il faut se demander est-ce qu'on a envie de laisser ça à son adversaire Ça, c'est une chose, déjà, premièrement. Tu viens jouer le coup ici. Ah Alors attention, Aura, ça, ça fonctionne malheureusement plus euh, depuis qu'il y a ça. Alors attention, Zoé, ici. Je pense que malheureusement, ça, c'est un angle vide qui ne te permet pas de faire plus de points. Euh, je pense que là, tu, tu devrais soit rajouter un coup par là, un peu plus grand, pour essayer d'agrandir ta zone vers le centre, soit tu, tu acceptes que tu as une potentielle faiblesse, mais que tu viennes jouer directement pour prendre son coin, avant qu'il le verrouille complètement. Je pense que ça, c'est important. Tu joues ça, Naora, tu viens jouer ça, mais ça marche pas. Tu vois que tu te fais capturer la pierre quoi qu'il arrive. Donc très bien réagi, Zoé, tu t'es pas laissé faire. Et puis Blanc vient jouer ce coup-là. C'est pas mauvais. Tu as plein de pierres autour. Je pense que ça c'est ok aussi. Par exemple, ça te permet euh, de développer un tout petit peu plus de points que euh, en troisième ligne qui peut être un peu plat. Maintenant le problème c'est que si blanc fait là maintenant les points qu'il a déjà, le problème c'est que euh, noir perd la partie. Donc comment faire pour gagner cette partie maintenant Moi à mon avis il reste euh, peut-être tenter de jouer un coup carrément chez l'adversaire, mais ça c'est compliqué. Je vous donne l'idée pour que vous essayez dans votre partie. Dans vos prochaines parties, mais euh, voilà, c'est ce genre de choses. Quand on n'a pas beaucoup d'espace, de possibilités d'envahir, quand vous avez des coups standards, par exemple blanc, euh, blanc, blanc joyeux et noir a encore ce coup-là, ben on, en, on peut envisager ce coup-là. Évidemment. Bon, ici on aurait joué ce coup-là aussi, c'est beaucoup mieux, je pense. Mais euh, quand on n'a pas beaucoup de possibilités, parfois on se dit ouais, mais comment je fais alors Ben un petit coup de contact, parfois ça peut aider, ça peut vous donner des idées. Ah très bien, Norn. Alors voilà, <laughs> ici, ben, Zoé, malheureusement, je pense que quand il ferme son coin là, tu n'as plus assez de points. C'est-à-dire que ton, ton bord droit, tu vas pouvoir le développer et faire des, des points, mais il a déjà trop de points. Est-ce que vous avez des questions sur le chat Dites-moi. Est-ce que vous avez des questions Donc là, on voit bien que Noir développe à droite. Et blanc ferme son côté gauche. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose avant du coup hmm. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose avant ben, Je pense que c'est là le moment où tu dois faire quelque chose avant. C'est par exemple aller ici ou aller ici ou aller ici éventuellement, mais aller à gauche d'abord. Je pense qu'on ne peut pas jouer à droite encore. Malheureusement, on perd la main si on fait ça, et en plus, on grandit le mur de Blanc en fait. Blanc, il a juste à faire ça et à grandir son côté gauche. Donc, ici, Zoé, voilà, le, le, le seul conseil que j'ai à donner ici, c'est oser aller chez ton adversaire maintenant. Tu te dis peut-être que tu as des problèmes à droite, que tu n'as pas encore tout fermé, mais tu n'as pas le temps. Parfois, il faut y aller, même quand, quand tu ne peux... vas peut-être pas tout faire comme point, mais au moins, tu auras empêché ton adversaire de faire trop de points aussi. Non, à ce stade-ci, ce stade c'est vraiment verrouillé à gauche. Il n'y a plus de possibilité d'envahir. Euh, ici, c'était la dernière possibilité, donc Blanc le joue et le verrouille. Mais maintenant, il n'y a plus moyen. Tout ce que Noir pourra faire, c'est réduire cette zone, cette zone à gauche, mais c'est tout. Et le problème, c'est donc dans la partie, ici, Zoé a perdu de 23 points, je crois. 23 points et demi. Vous voyez, il y a quand même beaucoup trop de points à gauche. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus vraiment rien faire. Donc ici, tentative de Noir de, de jouer et d'attaquer en haut, c'est très intéressant. Euh, normalement, Naora, tu ne peux pas sauver tes pierres. Donc tu connectes par en dessous, tu peux aussi faire celui-là, hein. c'est plus simple. Si ça capture, tu peux après jouer ça. Là maintenant, tu te sens un peu obligé de devoir connecter par en dessous, après ça t'échange, et du coup elle peut, fermer son... elle peut fermer sa zone. Donc je pense qu'ici, tu as, as perdu une occasion de rentrer dans son territoire au centre. <coughs> Pardon. <laughs> Naora, tu viens jouer ce coup-là. Je pense que le coin est beaucoup plus gros. Là, tu fais Tu sauves un point. Là, tu sauves beaucoup de points. Imagine, tu fais ça et qu'elle capture ta pierre. Bah, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Tu vois qu'elle fait au moins 3 points de plus. 3 à 4 points. 3 à 4 points de plus. Et toi, t'en as fait moins. Donc, en termes de différence, c'est énorme en fait. Donc, ici, tu préféreras faire ça. Et la partie c'est comme ça quoi. Là t'as fait un peu plus de points et là fait un peu moins de points. Double effet. Donc là c'est très bien Zoé que tu captures ce coin. Euh, D'accord. D'accord, capture, très bien. Parfait. Bah, la partie est terminée, je pense. Il n'y a plus rien à faire. Alors, il restait une sorte de, de co évidemment, mais vu qu'il y a un co pour chaque, il suffit qu'il y en a un qui remplisse l'un et l'autre remplira. Euh, L'autre joueur remplira l'autre co. Donc il n'y a pas vraiment co. C'est sont... un co de même valeur en plus. Donc on ne peut pas vraiment les différencier. C'est tout pour cette première partie. J'espère que j'ai été clair et j'espère que j'ai pu euh, du coup vous, euh, bah, vous aider à comprendre ce qu'il fallait faire ou pas faire. Euh... Tu es sur quoi pour les parties Je ne comprends pas la question, euh, Norn. J'étais en avance, donc j'ai pas fait gaffe à optimiser du coup. Il faut toujours essayer d'optimiser, même quand es en avance. Parce que si t'optimises pas, Naora, et ça c'est un conseil, si vous vous dites je suis en avance, je peux donner, je suis en avance, je peux reculer, je suis en avance, je peux faire n'importe quoi, il y, a le... il y a un petit revers qui va arriver. C'est-à-dire vous donnez, vous donnez, vous donnez, votre adversaire il prend, il prend, il prend, et au final vous perdez 2h30. Faites attention, c'est pas parce que vous êtes en retard, c'est pas parce que vous êtes en avance. Que vous allez forcément gagner la partie. Il euh, y, y a un proverbe qui dit que c'est difficile de gagner une partie gagnée. Enfin, un proverbe, c'est pas vraiment un proverbe, disons que c'est une phrase qu'on utilise souvent euh, en tant que pédagogue et c'est vrai. C'est pas facile parce que votre adversaire, il va tout donner pour gagner. Et donc, du coup, il va falloir même reboucher d'efforts, reboucher, redoubler d'efforts, pardon, pour euh, pour y arriver. Zoé demande si Naora est une fille ou un garçon. <laughs> Je ne sais pas. Euh... Zoé a dit qu'elle a compris Parfait 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 Bah du coup on va passer à la seconde partie Du coup regardons maintenant la partie Donc de Victor et Thibaut Qui semblent débuter tous les deux Et ce sera sur un 9-9 Alors les 9-9 Pour parler un peu des tailles de plateau euh, Le 9-9 est un plateau très petit C'est un 9 lignes par 9 c'est beaucoup de combats très très vite, c'est-à-dire qu'on est très très vite en contact avec les pierres adverses. Comparé à un 13-13 qu'on a vu juste avant, où euh, et bien évidemment vous voyez que le, le plateau est donc un 13 lignes par 13, et qu'on a le temps d'aller jouer chacun de son côté, d'aller jouer de ne pas se toucher avant plusieurs coups, le 9-9 ça peut très très vite être du contact. Donc euh, le 9-9 est, est un goban que même les joueurs très forts reviennent dessus, il n'y a pas de souci là-dessus, pour s'entraîner au combat. Tout à fait, on s'entraîne au combat. C'est très intéressant de s'entraîner au combat sur un 9-9 parce qu'on est très vite en contact. C'est le combat quoi. Le 13-13, on a cette notion de... Pas globalité parce que le 19-19 est vraiment différent du 13-13, il est beaucoup plus grand, euh, mais il y a quand même cette notion de territoire maintenant qui va entrer en jeu dans le 13-13 euh, parce qu'on a besoin de faire des points pour gagner une partie. Alors, je vous lis un petit peu. Ok, alors quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Euh, regardons maintenant, du coup, euh, ce 9-9. Euh, Victor est blanc, Thibaut est noir. Et noir commence par le coup ici. Blanc vient directement au contact. Qu'est-ce que je disais euh, Contact. <laughs> on parlait de contact sur un 9-9. Eh bien, on y est. Au début de partie, les amis, on commence euh, en général. Je vais quand même le dire sur un 9-9, même si c'est un, un petit peu un cas différent. Euh, on commence en général par les coins au go pourquoi on commence par les coins parce que très très vite enfin très très vite on peut se rendre compte que pour, mettre, pour faire 4 points dans un coin ben je vais faire euh, sur un bord deux coups de plus pour faire le même nombre de points et au centre pour faire le même nombre de points je vais devoir faire quatre, euh, deux coups supplémentaires encore par rapport au bord c'est pour ça qu'on commence par les coins en général parce que en moins de coups, on peut faire le plus de points possible. Et au go, vous allez vous rendre compte qu'il bah, y a une sorte de rentabilité qui va arriver donc, dans votre développement. Au début, ce n'est pas vraiment le plus important. Tant que vous comprenez comment faire des points, c'est déjà très très bien. Compter vos libertés, c'est vraiment très très bien également. Et faire plein de parties. Ça, c'est vraiment très très bien ici aussi. Et n'hésitez pas à jouer contre des gens qui sont... De votre niveau, mais aussi contre des gens un peu plus forts. Comme ça, ils pourront vous expliquer quels sont vos problèmes, quelles sont vos erreurs et comment euh, remédier à ça, par exemple. Ça peut vous aider à, à évoluer. Euh, donc, ici, on se rend compte que c'est plus facile de gagner des points dans les coins. Alors, j'ai fait la même boulette que tout à l'heure. Attendez, je, je vire mon, mon, petit, euh, mon petit dessin. Hop, 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 hop. Et on continue, du coup, la partie. Quand Blanc vient jouer ici. Bah idéalement, on pouvait aussi se dire, bah je viens commencer ici, noir fait ça, blanc fait ça. Mais on peut aussi se dire, je fais ça, il fait ça. La partie, elle peut, on peut jouer où on veut en fait. On peut même jouer ici si on veut. Puis ça, puis ça, puis ça. On peut jouer où on veut au go. C'est ça qui est bien. C'est les intersections, elles sont là. On joue si on veut. Plus vous allez progresser, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où on a envie de jouer avant d'autres et aussi aussi bien chez vous, mais chez votre adversaire. Parfois, on a envie de dire je veux aller réduire mon adversaire le plus vite possible parce que sinon il va faire trop de points. Ça, c'est un développement, un raisonnement que vous allez avoir plus vous allez jouer. Ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas tout de suite. Alors, le coup de contact ici, je ne vais pas dire qu'il est mauvais, je vais dire qu'il est, euh, bah est jouable en réalité même, mais disons que je pense qu'il y a tout aussi intérêt à jouer dans les autres coins. Noir vient jouer le coup en E7, et il y a une chose qu'il faut faire attention, enfin, c'est où est-ce qu'on veut faire des points. Par exemple, Blanc vient de jouer ici en, en G7, ça veut dire que pour moi, la traduction de ça, la enfin pas la définition, mais la traduction, c'est j'ai envie de te prendre ton coin. Le coin en haut à droite, j'ai pas envie de te le laisser. Donc, quelque part, il vient de te le piquer là. T'as peut-être envie de l'empêcher ou t'as envie de lui retirer une liberté parce qu'on sait qu'au go les libertés c'est hyper important. Les libertés, si on en a plus, on est capturé. Si on est capturé, c'est un prisonnier de guerre qui fait qui donne des points. Donc, on n'a pas forcément envie de se faire capturer des pierres au go. On peut se faire capturer une, deux. D'ailleurs, c'est très rare qu'une partie se fasse sans capture. Mais c'est pas la manière la plus simple de faire des points. C'est pour ça que on ne va pas s'attarder à juste enlever des libertés, parce qu'on dépenserait beaucoup de coups pour retirer des libertés, pendant que l'adversaire va juste faire des points. Imaginez, par exemple, que, euh, bah, par exemple, vous essayez de retirer des libertés. Ok, j'essaie d'en retirer, j'essaie d'en retirer, j'essaie d'en retirer. Moi, je vois que mon adversaire en blanc il fait des points en haut, mais euh, à un moment donné, il va juste vivre et après, il va peut-être jouer en bas et, et vivre en bas. Mais du coup, euh, où sont les points de noir, quoi Où sont les points potentiels de noir euh, À droite, oui. Blanc a fait des points en haut et potentiellement en bas. Donc, il faut faire attention, mais retirer des libertés, c'est pas non plus le, le, le but principal au go. Ça va juste vous aider à gagner une partie éventuellement. Donc voilà, tout ça pour dire, je pense que ce coup-là est possible, mais on va plutôt envisager de jouer ailleurs, euh, dans les autres coins. Et aussi, quand ton adversaire vient faire un coup de contact, demande-toi et si je lui retire une liberté en lui limitant ses possibilités, par exemple l'envoyer vers le coin. Il va être tout petit, il va te voir faire deux yeux, tu vas peut-être pouvoir le capturer plus facilement. Là finalement, tu joues un coup qui est loin, qui a quatre libertés, mais ton adversaire, tu le laisses du coup te, rend, te retirer une liberté éventuellement, ou peut-être euh, couper, comme ceci. Du coup, blanc, noir, recule, là, blanc ici, Victor, tu peux connecter. Toutes tes pierres maintenant ont plus de liberté, puisqu'elles sont liées. En diagonale, des pierres qui ne sont pas liées. C'est-à-dire que si tu fais ça et que Noir coupe, cette pierre n'a que deux libertés. 1, 2. Et ces, trois pierres ici, oh, ces deux pierres ici n'ont que trois libertés. Donc euh, c'est plus compliqué. Par contre, si tu n'as qu'un seul groupe ici, tout à coup, euh, toutes tes pierres ont une, deux, trois, quatre, cinq libertés. Ce qui fait que tu as déjà beaucoup plus difficilement capturable. En plus, tu sépares des pierres adverses, parce qu'on peut regarder aussi chez l'adversaire. Noir ici a une, deux, trois, quatre libertés et une, deux, trois libertés. Quoi qu'il arrive, déjà les deux côtés ont moins de liberté que toi et c'est assez important parce que ben encore une fois moins vous avez de liberté, plus vous avez de chances de vous faire capturer. Et la capture c'est quand même compliqué parce que c'est c'est donner des prisonniers à l'adversaire. Donc quand Noir vient jouer ce coup-là, il essaye d'enfermer je pense le groupe de blanc. Malheureusement, ça ne retire pas de liberté. Et donc du coup, Blanc peut très bien dire, je vais retirer encore une liberté aux deux pierres de noir à droite. Je pense, Victor, que c'est ce qu'il faut envisager, retirer des libertés. Au début, vous allez voir que euh, vous allez euh, essayer de vous, euh, de vous capturer. Et le meilleur exercice que j'ai à, à vous donner pour ça, c'est de jouer le Latarigo. C'est-à-dire qu'on commence... Avec un départ comme ceci sur le plateau, donc faites ça sur des 9-9 ou des 13-13, pas sur des 19, c'est trop long, mais c'est pas c'est pas utile en fait. Mais ici, par exemple, vous partez de cette euh, de ce départ, donc vous voyez qu'il y a déjà quatre coups sur le plateau. C'est pas une partie de Go réel, hein. c'est plutôt un exercice de capture la l'atarigo. Et vous partez sur cette position et vous voyez quoi Vous voyez que chaque pierre n'a que deux libertés, puisqu'on ne peut pas être lié en diagonale, chaque pierre n'a que deux libertés. Et le but, ça va être de capturer une pierre au moins une pierre avant l'adversaire. Celui qui va capturer au moins une pierre avant l'adversaire va remporter la manche et on, après on repart de cette position et on recommence. Vous pouvez aussi faire une autre variation de, cette, de, cette, de ce petit jeu qui est bah je capture jusqu'à cinq pierres. Tant que je n'ai pas capturé cinq pierres, je continue. Ce genre de choses. Okay Donc voilà, ça c'est l'atarigo. Ça peut être intéressant quand on veut apprendre à capturer des pierres, quand on veut apprendre à les repérer, parce que votre adversaire il va souvent... Essayez de vous retirer des libertés, mais vous ne le verrez pas. Au début, vous ne le verrez pas. Vous vous dites Ok, moi, je joue là, je joue là, je joue là, j'ai envie de le capturer. Mais pendant que vous essayez de le capturer, lui aussi. Et parfois, il va vous capturer avant que vous, vous le capturiez. Et vous allez rater, euh, vous allez manquer votre, votre occasion. Parfois, vous allez voir même que vous, avez, vous allez retirer des libertés, vous n'allez pas le voir. Il n'aura qu'une seule liberté, mais vous n'allez pas le capturer. Ça va arriver aussi. Donc, dans tous les cas, pour moi, en tant que vous qui débutez, la chose la plus importante à faire pour moi, c'est compter les libertés de vos pierres et découvrir comment on fait des points. C'est-à-dire, chaque intersection est égale à un point. Une pierre capturée est égale à un point. Et donc, du coup, comment faire des points sur le plateau On sait qu'on peut capturer, mais ce n'est pas la meilleure façon. Puisqu'on voit que en moins de coups, ben, je peux, rien qu'en faisant ça, par exemple, ça, 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 ça et ça, bah par exemple, là, on voit quoi On voit que noir fait des points sur le bord droit. Là, en jouant ça, c'est ce que noir voudrait. Je vais mettre en triangle tout ce que noir voudrait. Et je vous montrerai après ce que blanc voudrait. Bah blanc voudrait tout ça. Et il y a une petite différence dans ce que je vous montre là. Si vous la voyez, bon en même temps, elle est un peu flagrante, je ne vous le cache pas. Mais si vous la voyez, c'est que noir a joué un coup qui est un tout petit peu plus haut du bord droit. Donc envisage limite de faire 3 points de plus que ce que Blanc voudrait faire. Bon, quelque part, Blanc aurait pu jouer un coup plus haut ici, et euh, on arrive à une position symétrique. Donc du même côté, euh, chacun fait son sabopote de son côté, chacun fait ses points de son côté. Le problème, c'est qu'il faut être pour gagner la partie, il faut avoir au moins un point de plus que son adversaire. Enfin, même un demi-point, on peut avoir, mais bon, ça c'est du détail. Donc il faut avoir au moins un peu plus que son adversaire pour gagner la partie. Donc il faut toujours essayer peut-être de dire Ah oui mais je veux un peu plus. Parfois on n'a pas le choix. Donc euh, ici euh, Victor, je pense que ton coup là n'est pas mauvais, mais tu ne retires pas de liberté. Et je vois que ton adversaire joue plein de coups séparés, donc l'idéal c'est juste de le séparer. Continue de le séparer. Par exemple quelque chose comme ça. Tu vas capturer l'un des deux en fait. Retirer des libertés c'est bien aussi. Quand tu fais ça, Noir fait ça, il essaie de capturer les blancs, vous le voyez. Donc le problème, c'est que blanc maintenant a plein de libertés. Blanc doit faire ça, je pense, pour euh, avoir beaucoup de libertés en plus. Et là, tout à coup, bah, cette pierre-là en 1 n'a que deux libertés. Cette pierre-là en 1 n'a que trois libertés. Il faut que tu fasses attention à tes propres libertés, Thibaut. C'est très, 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 très important. Donc là, on essaie de se capturer, évidemment. Mais blanc va capturer, a priori, les, les pierres de noir avant. Euh, ah, ça marche pas! Donc regardez, si on compte, noir a capturé ici les pierres de blanc. Blanc n'a que deux libertés et noir en a trois. Donc euh, si on compte bien, ben noir a capturé les pierres de blanc. Euh, blanc fait l'atari ici, capture ici. Donc là, c'est un, un atari qu'on n'a pas vu. Ok. On va avancer un peu plus parce que je crois qu'il y a eu une, une petite erreur. Attention ici, euh, noir, tu laisses beaucoup de possibilités de coupe. C'est-à-dire que blanc peut faire Atari, puis Atari ici et capturer ta pierre parce que même si tu vas sur le bord, regardez, ça je ne l'ai pas dit, mais un coup sur un n'importe où sur le plateau, mais pas sur le coin et le bord a quatre libertés. 1, 2, 3 et 4. Mais un coup euh, sur, le, sur le bord n'en a que 3. 1, 2 et 3. Un coup sur un coin n'en aura que deux. Euh, hop, le coin ici, il n'y a que deux libertés. Donc les coins et les bords enlèvent des libertés. Ça veut dire que quand on pousse son adversaire vers un bord, ben en fait on va le capturer parce qu'il n'a toujours qu'une seule liberté après avoir joué ça. Et donc va obligatoirement se faire capturer. Donc les bords sont vos amis en général. Vous pouvez envoyer votre adversaire vers le bord. Vous avez, des, vous avez de grandes chances de capturer. Donc ici malheureusement il y a un problème de coupe. Tu laisses un peu trop de faiblesse, et du coup, bah c'est pas facile, mais du coup, tu vas te faire capturer. Parce que maintenant, Blanc capture les 5 pierres qui se trouvent ici. Je pense que du coup, c'est tout pour cette partie. J'ai vraiment, je pense, exploité, euh, parlé de tout ce qui était euh, important euh, pour, euh, pour la partie. C'est vraiment ça que je. Si vous comprenez ce que j'ai dit, donc, comment capturer des pierres et comment faire des points sur le plateau. Vous allez vraiment step up, progresser énormément. Faites plein de parties en 9-9 ou en 13-13, ça vous aidera. Est-ce qu'il y a des questions N'hésitez pas, c'est maintenant. N'hésitez absolument pas. À la fin, pourquoi le noir n'est pas capturé Comment ça de quel, de quel groupe, de de qu quoi tu parles Parce que là, moi, je vois que... Ah, pardon. C'est pas ça la partie. C'est ça la partie. Euh, si tu parles de ça, en fait, à la fin, les deux joueurs passent. Et dès qu'ils ont passé, on passe au moment du comptage. Il faut, en tout cas sur Internet, cliquer sur les pierres qui ne sont pas vivantes. Donc, qui n'ont pas de yeux. Donc, par exemple, Blanc euh, devait cliquer ici, sur la pierre qui était morte. Et là ce serait des points à blanc en fait. Sinon tout le reste c'est à noir. Et dans la partie ici, noir gagne de 3 points et demi. Si ça se passe comme ça, là, noir gagne de 3 points et demi ici. Euh, si la pierre ici n'est pas euh, faite, ben noir gagne aussi en réalité. Ben oui, logique. Logique. Est-ce que ça répond à ta question Donc ici en fin de partie, vous êtes en mode vous avez passé tous les deux vous êtes au mode du comptage. Et bien quand vous êtes en face de votre adversaire, c'est pareil. Vous allez compter les intersections et les prisonniers que chacun a, et vous allez vous mettre d'accord avec le résultat. Si vous n'êtes pas d'accord, bon techniquement vous appelez un arbitre, mais vous, vous devez cliquer sur terminer quand vous êtes d'accord avec le résultat. Ah oui, je suis d'accord, t'as gagné la partie de X points. Ah oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, t'as pas gagné la partie. Euh, je suis toujours vivant. Ma pierre, elle est vivante. Qu'est-ce qu'on fait si la pierre elle est vivante Bon, ben, il faut à plein arbitre aussi, mais euh, il faut vous mettre d'accord. Techniquement, ça marche comme ça, au go. On se met d'accord sur le résultat. Et ensuite, on dit, euh, on, on, on accepte. Et sur Internet, il faut cliquer sur terminer quand vous avez accepté. Donc ici, il fallait juste cliquer sur la pierre qui était morte. Voilà, voilà. On va regarder la partie de Ryoka et Orumov. Euh, wow, je l'ai dit directement. Euh, Orumov est noir, Ryoka est blanc. Et bon, jusque-là rien d'anormal. Noir a pris le coin en haut à droite, le coin en bas à gauche, blanc a pris euh, des 10, donc ce n'est pas le coin. Hein. Le San San est encore prenable, c'est-à-dire que Noir pourrait très bien jouer un jour à et vivre sans condition. Donc il n'y a pas de problème à prendre le coin. Euh, blanc vient faire le Hoshi, donc ne prend définitivement pas les coins. Ryoka, n'oublie pas. Je suis d'accord de jouer au chi, c'est pas forcément mauvais, mais pour faire des points, la troisième ligne t'aidera beaucoup plus. Ça, c'est une première chose. N'oubliez pas. Troisième ligne, c'est pour faire des points. Quatrième ligne, c'est pour jouer vers le centre. Avec une croisée, le centre, ça va être compliqué à faire, je te le cache pas. C'est beaucoup plus difficile à faire. Donc déjà, peut-être qu'ici, il y a des petits problèmes dans ta plantation. C'est-à-dire que. Euh tu peux envisager ça, mais il faut voir comment tu vas faire pour te construire, quoi. Ok Donc, euh, noir verrouille son coin. Un coup un peu timide au tu peux jouer carrément un Shimari. Ça s'appelle un Chimari, c'est un verrou de coin en deux coups, et celui-ci est le plus rentable. Ton coup est un peu trop petit. Pas, pas impossible, mais trop petit, je trouve, quand tu peux jouer ça. Quand tu peux jouer ça, il n'y a aucune raison de ne pas le jouer. Quand vous pouvez faire un Tobi ou un Keima... C'est mieux qu'un nobi ou un kosumi. Donc, tobi, c'est un saut, par exemple, comme ça. Keima, c'est un saut comme un saut de cheval aux échecs, en diagonale. Kosumi, c'est un petit coup. Il n'y a pas de saut, hein. elles sont liées les pierres. Enfin, elles ne sont pas liées, mais si, noir, si blanc essaie de le couper, noir connecte. Si blanc essaie de le couper, noir connecte. Donc, elles sont liées entre guillemets. Et c'est aussi lent qu'un nobi. Quoi. Nobi, c'est un coup de une intersection. C'est même pas un saut, c'est j'avance. J'avance de, un, de une intersection. Donc si on peut faire ça, c'est mieux que ça. Puisqu'on fait plus de points si on s'agrandit un peu plus. Par contre, si vous faites ça, bah évidemment, vous laissez un peu plus de place pour que Blanc vienne un jour-là. Donc il y a toujours un juste milieu à trouver, évidemment. Une, une certaine rentabilité. Mais ça, c'est au fur et à mesure que vous jouez que vous allez vous en rendre compte. Donc ton coup, en soi, n'est pas mauvais. Oromoff, euh, c'est juste qu'il est un tout petit peu trop petit, je trouve. C'est un petit peu dommage. T'as toujours peur de te faire piquer ton coin si tu ne le verrouilles pas avec un kosumi. Je vois pas comment il te pique ton coin. Il joue à un endroit comme ça Ça veut dire qu'il joue à un endroit où il a déjà deux libertés de moins. Comment il fait Ça marche pas. Ça marche pas. S'il fait ça, je vois pas comment il fait. Euh, c'est très compliqué en fait. C'est très très compliqué. Et encore, tu peux répondre ça par exemple. S'il fait ça, tu connectes. C'est très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. On n'a pas envie en tant que blanc de venir faire ça. Il euh, n'y a aucune raison. Blanc, il aimerait faire ses points dans son coin. Toi, tu as déjà un verrou de coin. Donc, quand il y a un chimari, donc un verrou de coin comme ceci, euh, c'est vraiment un verrou de coin. Euh, Ce n'est pas vraiment envahissable. Il faut vraiment que blanc ait plein de pierres autour de toi pour envisager quelque chose chez toi. Ça, oui. Ça, je veux bien te l'accorder. La, te il faut que Blanc soit fort autour, avec des pierres pas loin, et là il peut tenter un truc. Mais sinon, non, c'est très compliqué quand même. Il faut que tu... Alors, conseil que je vous donne déjà maintenant, ne jouez pas par peur. C'est-à-dire, vous avez peur que votre adversaire fait quelque chose, fasse quelque chose, pardon. ben, demandez-vous juste, qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce que j'ai je... qu que peur que mon adversaire fasse et qui m'embêterait ben, imaginons que ben, blanc, il a... Noir il a peur que blanc vienne jouer quelque chose par là. Et ben décarcassez-vous la tête à essayer de trouver qu'est-ce qui va qu'est-ce que noir va répondre à ça, et puis qu'est-ce que blanc va répondre à ça, et ainsi de suite. Pour essayer de voir si ça fonctionne ou pas, en fait, tout simplement. Parce que si ça se trouve, ça fonctionne pas. C'est comme quand il y a une coupe, il y a un chichot, bah ben, si la coupe il y a un chichot, ben, c'est que ça ne fonctionne pas, la coupe. Si vous capturez un chichot. C'est le même raisonnement. Lisez, voir si ça fonctionne ou pas. Alors, lire, pour ceux qui se demandent et qui débutent, c'est comme calculer aux échecs. Aux échecs, on utilise le terme je calcule pour euh, je, je lis les coups, euh, la suite des coups, le plus loin possible. Hein, au go, celui qui ira le plus loin a de grandes chances de gagner la partie. Par contre, si vous jouez par peur, vous allez rajouter des coups qui sont moins rentables. Vous allez, enfin, vous allez jouer des coups qui sont moins rentables, comme le Kosumi ici. Vous allez, jouer des coups vous allez rajouter des coups pour protéger vos coupes éventuellement, alors qu'il n'y a pas de problème. Donc vous allez perdre des points. Vous allez perdre la main également, parce que votre adversaire aura la main pour aller jouer ailleurs éventuellement. Et vous allez perdre de 1 point votre partie, parce que vous aurez rajouté un coup. Faites attention à ça. Essayez d'éviter de, de jouer par peur. C'est le, le plus grand conseil. Quand on débute, c'est impossible. Je vous, le, je vous le cache pas. Je suis d'accord avec vous. Comment tu veux qu'on lise tout ça si on débute C'est pas possible. Bah oui, je suis d'accord. Mais euh, petit à petit, vous allez vous rendre compte de ce que je dis. C'est surtout ça. C'est pour que dans votre tête ce soit déjà quelque chose. J'ai pas envie de jouer par peur, je me bats pour tout et je vais tout lire. Mais oui, dans quelques. dans une centaine de parties quoi. On est d'accord. Donc Blanc vient jouer ce coup ici. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Encore un, un coup en quatrième ligne, donc un coup qui ne fait pas de points. Attention Ryoka, noir envahit ton coin, donc tu n'as plus ton coin maintenant, et euh, il vient s'étendre. Attention Oromov, la suite c'est ceci. Donc l'idée quand on envahit un coin c'est quoi C'est de s'agrandir le plus possible vers le bord qui nous permet de nous agrandir le plus. Et là en l'occurrence, ben, quand blanc bloque par là, c'est pas par là, c'est par là. Donc tu continues ton idée. Tu t'agrandis, tu t'agrandis, tu t'agrandis. Là, elle t'a bloqué, ok. Tu viens de l'autre côté et tu verrouilles pour faire vivre ton groupe. Là, Blanc devra rajouter encore un coup pour protéger cette coupe. Mais si tu. Euh, maintenant euh, imaginons que Blanc ne fait pas ça et vient faire un truc comme ça. C'est pas parce que Blanc a fait ça que tu dois faire ça. En fait, il faut vivre dans le coin. Si tu es vivant dans le coin, tu veux pas jouer des coups en deuxième ligne parce que ça fait pas de points. Imagine, tu rajoutes, euh, tu rajoutes tout ça. Bon, dans ce cas-ci, tu as lié les pierres. Mais au final, ça fait quoi Ça fait que deux points de plus. À la base, tu prenais le coin, c'est pour vivre dedans, pas pour faire un point à chaque coup. C'est pas rentable. Si tu veux faire des points à chaque coup, ben déjà euh, par exemple un coup comme ça, ça fait beaucoup plus de points que un point. Là tout à coup, tu fais par exemple 6 euh, à 4 à 6 points de plus, rien qu'avec un coup, tu vois. Donc en général on ne veut pas ramper sur la deuxième ligne, c'est ça que je dis. Mais dans ce cas-ci, tu dois t'assurer d'abord de vivre dans le coin. Donc euh, si ça se passe comme ça, tu vis dans le coin et tu es content. Qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre T'aurais pu aussi tout simplement venir jouer ici. C'est un bord intéressant. Tu peux développer beaucoup de points sur ce bord. Tu peux aussi jouer ici. Tu peux aussi prendre le coin. Jouer là, c'est beaucoup moins intéressant. C'est déconseillé d'ailleurs. Euh, jouer à l'aisselle d'une pierre. Euh, jouer ici, c'est une possibilité, mais le bord est le moins. C'est le plus petit bord, en fait. Entre cette pierre et cette pierre, le nombre d'intersections ici est plus petit que ici, ici, et que le coin, ben, ça, c'est le coin, quoi. Jouer sur les lignes d'influence, j'ai l'impression que c'était une erreur de ma part sur 13-13. Ben, en fait, sur tout plateau. Encore une fois, quatrième ligne, c'est porter vers le centre. Troisième ligne, c'est faire des points. C'est ça le problème, Ryoka. Comment faire des points Comment gagner une partie Donc il faut que tu envisages des coups en troisième ligne si tu veux faire des points. Je ne, suis, je ne fais que suivre la théorie. Comment faire des points Jouer en troisième ligne. Je fais des points en jouant en troisième ligne, tout simplement. Là tu ne joues pas de points, tu ne fais pas de points, tu fais une extension de ton coin, mais ton coin il est encore ouvert, donc c'est normal que finalement tu ne fasses pas de points, puisque tu as tout laissé en, tu as tout joué en quatrième ligne. Tu comprends Ryoka Je ne dis pas que jouer au chien est mauvais. Je dis juste qu'il faut que tu saches comment faire des points par rapport à Teoshi. Donc par exemple, euh, bah faire des points, tiens, je fais une extension ici, je fais une extension ici, un coup par ici, un coup par ici, pourquoi pas Mais tu joues un coup en troisième ligne, ça fait des points. Et il ne faut pas perdre de vue comment faire des points, c'est très important. Donc ici, quand Noir prend le coin, tu fais ce coup-là, tu connectes, Noir rampe sur la deuxième ligne en bas, mais en même temps il n'a pas le choix, Blanc va faire euh, la vie sur le bord droit. Si c'était pour vivre sur le bord droit, peut-être que tu aurais pu tout de suite jouer ça alors. T'aurais peut-être fait un peu plus de points. Par exemple, quelque chose comme ça. T'as fait plus de points ici que ici, non Regarde. T'as vu la différence Si on regarde comme ça, à droite, t'as pas des masses de points maintenant. Alors que si tu avais fait le mur de ce côté-là, aurais fait un peu plus de points. Alors, la partie continue. Euh, tu viens jouer en bas. Ici, c'est très important, à mot au, euh, au, euh, <laughs> au c'est est-ce euh, que tu as deux yeux dans le coin Quand vous êtes enfermé, entouré de pierres adverses, en territoire ennemi, vous devez faire deux yeux. J'en ai parlé tout à l'heure, les deux yeux, c'est très important. Noir doit rajouter un coup et probablement un coup ici. Meilleur endroit pour faire deux yeux. Si blanc vient jouer là, on a les deux yeux, ils sont là. Il hein, y a l'œil ici et l'œil ici. C'est bon, c'est deux yeux, c'est vivant. Mais tu le fais pas. Donc, du coup, euh, blanc pourrait euh, maintenant jouer un coup, par exemple, ici. Si tu fais ça, coupe, on compte les libertés. Noir a deux libertés, blanc en a trois. Donc, du coup, noir est obligé de faire ça, mais alors, du coup, blanc connecte. Où sont les deux yeux de noir sur le bord bas Moi, je vois pas deux yeux là en bas. Donc, toutes tes pierres seraient capturées. Blanc a joué ce coup-là, qui protège la coupe, c'est très bien, et tu vas jouer ailleurs. Ici, au t'as tu as joué à un endroit, il faut vraiment que tu fasses attention si tu as deux yeux, surtout si tu es enfermé. Donc, oui, tu dois rajouter un coup. Quel qu'il soit, tu dois rajouter un coup. C'est très important. Si tu as joué des soldats à un endroit, tu, le, tu leur as dit Allez-y, les gars, euh, je gère la situation, ne croyez en moi, croyez en votre général. Vous allez survivre. Et puis tu les laisses tomber. Tu dis Ah, démerdez-vous, euh, je vais jouer ailleurs. On va envoyer d'autres soldats, c'est mieux là-bas euh, que chez vous. Bah, tu leur dis euh, Mourez, quoi. Mourez. T'as investi plein de coups. Et au final, tout ça, ça va être des points à blanc. C'est un peu bizarre. Donc, si vous jouez à un endroit, essayez de faire en sorte que cet endroit, enfin, que vos pierres que vous avez jouées à cet endroit-là, survivent. Donc, euh, et deux yeux, ou fuis et sois connecté à un groupe allié pas loin. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Donc, aussi, par rapport à cet exercice, faire des, faire des tsumego, quoi. Des tsumego, c'est quoi C'est des problèmes de vie et de mort. Ça va pas vous aider uniquement à savoir comment vivre, donc faire deux yeux ou tuer, enlever les deux yeux à votre adversaire. Ça va vous permettre d'apprendre à mieux lire, donc à mieux calculer aux échecs, euh, à, à lire de plus en plus loin. Par habitude, par euh, lecture en fait, vous allez trava faire travailler votre cerveau pour justement lire de plus en plus. Et dans vos parties, vous allez le sentir. Si vous faites euh, 3000 tsumegos maintenant, hein, vous commencez évidemment au niveau débutant et vous montez progressivement, vous allez faire 3000 tsumegos je peux vous assurer que au moment où vous faites votre premier sumego et le moment où vous faites le, le 3000 millième je peux vous assurer que vous aurez énormément progressé en lecture. Énormément. Parce que vous aurez aussi compris plein de choses pendant ces tsumego. En fait, en gros, les Tsumego, c'est quelque chose qu'on fait à tous les niveaux. C'est un peu la, le, 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 le livre de chevet, quoi. Vous le gardez toujours à proximité de vous. Vous en faites quand vous voulez, quand vous pouvez, de manière régulière, si c'est possible. Ça va vous permettre d'apprendre à lire. En fait, euh, donc, Oromov, euh, tu dis Ah oui, je vois, je ne sais jamais quand laisser un coin pour faire des points ailleurs. Bah t'assurer qu'il a deux yeux. T'assurer que tu vois deux yeux là-dedans. Pareil pour toi, Ryoka. Toujours te demander, tiens, est-ce qu'il a deux yeux lui Tu l'as enfermé. Est-ce qu'il a deux yeux Bah peut-être pas. S'il a joué ailleurs et que tu, tu remarques qu'il aurait dû rajouter un coup pour vivre et faire deux yeux, bam Tu tues et t'as capturé tout le coin. Attention, ce n'est pas que les pierres qu'on capture. Déjà, une pierre c'est un point, plus l'intersection qui est en dessous c'est un point. Mais c'est aussi toutes les intersections qui sont ici qui seront des points. C'est énorme, hein C'est beaucoup, hein. C'est quoi C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est 24 points demi C'est énorme. Enfin, 25 points, pardon. Euh, c'est énorme quoi. C'est juste énorme. Donc, euh, attention, c'est important. Pas forcément quand on débute, débute, mais quand vous êtes un tout petit peu plus fort, faites attention à, la à faire deux yeux. C'est très important. Ok, tu vas jouer ailleurs, Blanc viens jouer là. Tu vois par exemple euh, Ryoka, tu réponds à ses coups, mais il a le droit de se tromper en fait. Ce côté-là n'est pas forcément très très intéressant. Tu peux très bien dire, bah, je vais jouer par là. Regarde les grandes zones. Moi je vois... Euh, entre les deux triangles, je vois une très grande zone sur laquelle tu pourrais jouer et faire plein de points. Là, si tu joues par ici, tu fais deux, deux points, trois points, pas plus. C'est un petit peu plus dommage, quoi. On préfère jouer dans les grandes zones au début de la partie, euh, sauf si on a besoin de rajouter pour une, avoir une base de vie, donc un espace pour avoir deux yeux. Mais on, a, on, veut, on préfère jouer dans les grandes zones. Pareil pour noir. Il vient de jouer dans un endroit où il y a trois intersections qui se battent en, en duel, alors qu'il peut agrandir et jouer quelque chose de beaucoup plus grand. En termes de points. Là tout à coup on voit que cette zone c'est là que Noir voudrait faire plein de points. J'ai toujours tendance à vouloir répondre parce que je me dis que si je le laisse faire l'endroit sera incontrôlable et ça me fait peur. Encore une fois on ne joue pas par peur. Demande-toi ce qu'il veut en jouant ce coup là. Demande-toi si, si c'est vraiment intéressant ou pas. Si toi tu considères que c'est pas intéressant as tout à fait le droit. En fait le go c'est quoi C'est une prise de décision à chaque tour. Vous jugez de coups que votre adversaire va faire et vous jugez de vos coups que vous voulez faire. Euh, vous décidez, je dois jouer, mon adversaire joue un coup qui n'est pas très bien, je dois prendre la décision d'aller jouer éventuellement ailleurs, ou de lui tuer son groupe en bas à droite, ou de faire une action. Répondre tout le temps à votre adversaire ne vous permettra pas forcément de gagner la partie, parce que vous le laissez faire, alors que vous devez peut-être prendre l'initiative d'agir, de contrecarrer ses plans. Ça viendra avec l'expérience, Ryoka, ne t'inquiète pas. J'espère que je suis clair jusqu'à présent, mais donc du coup, on préférera jouer sur les grands espaces. Noir vient faire ce coup à gauche, c'est très très bien. Malheureusement, Ryoka, si tu ne tues pas le coin en bas à droite, tu n'as pas beaucoup de points. Pour moi, tu as des points euh, dans cette zone-là, à peu près. Donc les intersections qui se trouvent autour de A. T'as pas encore de points en haut à gauche, puisque c'est un hoshi, donc Noir peut encore prendre ton coin. Par contre, Noir, il a quand même plein de points en B, plein de points en C, et s'il vit, il aura des points en D. Pas beaucoup, mais il aura des points en D. Donc pour moi, tu es en retard actuellement en termes de points, il faut que tu en fasses. Donc tuer serait déjà une bonne chose, mais là, c'est très bien ce que tu fais. Euh, tu vas prendre le, le, le coin, coup de contact, très bien, ok. Attention, le coup de contact, ça ne bloque pas l'adversaire. Tu vois que quand il fait ça, tu as un problème de liberté. C'est-à-dire qu'il peut capturer tes pierres maintenant, chose que t'as pas envie tu peux le bloquer d'un cran plus en arrière. Ça le bloque. Si maintenant il avance, t'as fermé la porte. Il te dit toc toc toc, est-ce que je peux rentrer dans ton coin Et tu lui dis non, t'es pas le bienvenu. Tout simplement. Tout simplement. On ne bloque pas un adversaire en jouant un coup de contact. Ça ne fonctionne pas, en fait. Parce que, regardez, il fait ça, je suis obligé de reculer. Si je veux pas me faire capturer la pierre. Donc, s'il pousse, regardez. Si vous bloquez tout de suite, voyez, si vous bloquez tout de suite, vous avez plus de points. Pas enfin, si vous bloquez en contact, vous avez moins de points que si vous bloquez un cran derrière, euh, une intersection à côté, pas en contact de la pierre et vous pouvez bloquer plus de points du coup. C'est un petit peu mieux. Ne croyez pas que le coup de contact va bloquer l'adversaire. C'est rare. Il euh, y a des cas, mais c'est vraiment très très rare. En général, ça ne bloque pas. Et en plus, euh, on ne joue pas un coup de contact. On joue un coup de contact quand on veut envahir une zone qui est compliquée. Donc par exemple, blanc il a, envahi, envahi, il a envie d'envahir quelque part. Euh, il va tenter un truc par là. Bon, ça reste très compliqué. Hein. Noir a quand même pas mal de pierres, euh, pierres pas loin. Ça a l'air compliqué euh, de que blanc s'en sorte, mais euh, c'est le seul moyen si blanc veut envahir quelque chose euh, chez noir maintenant, parce que noir est fort partout. Donc euh, bah c'est ce qui se passe ici, noir capture ta pierre, donc ton coin a été pas mal réduit, et tu ne fermes pas ton coin. C'est-à-dire que tu ne fermes pas ce côté-là. Tu lui dis, vas-y, rentre dedans. Attention, au centre, il n'y a pas de point. La zone centrale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la zone la plus difficile à faire des points. Pourquoi Je vais rappeler ça rapidement, mais dans un coin, en quatre coups, on fait quatre points par exemple, sur un bord j'en fais... Il me faut deux coups de plus pour le faire. Et sur un centre, il faut que je ferme de tous les côtés. Je dois fermer en haut, à gauche, à droite, en bas, pour faire le même nombre de points. Donc c'est plus difficile de faire des points au centre. Et il y a un proverbe qui dit. Les. Euh... Oula, qu'est-ce qui s'est passé Hein Ah merde Ah zut, attendez. <laughs> On ne comprend plus rien. J'ai cassé tout. Euh, attention, hein. Dans deux minutes pour le proverbe. Hop, 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 hop. Voilà, j'espère que j'ai rien cassé dans la partie, sinon c'est la euh, mise... Non, c'est bon. Il y a un proverbe qui dit, les coins c'est de l'or, les bords c'est de l'argent, et le centre c'est le désert. Parfois il y a du pétrole dans le désert, mais c'est très très rare. Pourquoi Parce qu'on commence par les coins, puis on va s'étendre vers les bords, et ensuite on va envisager d'agrandir les bords vers le centre. Et le centre, c'est souvent une phase, une zone de combat qui se fait dans le, durant le Chuban. Donc la, phase, la deuxième phase du Go, hein, première phase c'est le Fuseki, deuxième phase Chuban, troisième phase Yose. Euh, le Chuban, c'est la zone, le moment des combats. Donc tout là où il y aura tous les combats euh, sanglants, où vous, il va y avoir du meurtre euh, et tout ça, c'est là qu'on va envisager de jouer euh, ben, beaucoup vers le centre et donc il de, n'y de, aura pas beaucoup de points dans ce centre. Voilà, j'espère que, en tout cas c'est clair. Donc là voilà, tu si tu sauves des points vers le centre, mais il n'y a rien au centre. En plus, Noir, il peut jouer. Euh, zut, attendez, hop. En plus, Noir, il peut juste jouer là. Comment tu vas faire des points Ça, c'est pas des points, tu vois. Si tu fais deux points ici, euh, c'est pas des points. Alors que lui, il fait plus que deux points, rien que là. Donc voilà, il faut faire très très attention. Euh, par exemple, Oromov, tu peux faire quoi Tu peux aller prendre son coin. S'il fait ça, euh, ça se passe comme ça. Tu te dis peut-être, oui, mais j'ai une pierre en Atari. C'est vrai. Bah après, tu peux connecter, tu peux vivre dans le coin, il y a plein de trucs possibles. Donc là, blanc garde le coin, noir monte ici. La partie devient très très compliquée, je pense, pour euh, maintenant blanc, puisqu'il n'y a pas de points dans le centre. Noir vient jouer ça et euh, la partie est très compliquée. Noir sait où sont ses points, bloque du coup quand blanc veut rentrer. Et maintenant, blanc doit, doit bloquer. Le problème ici, c'est que tu bloques et si noir fait ça, t'as un problème. Ça s'appelle... Euh, un tranche euh, Toby. Tranche, tranche Donc euh, il vient de jouer ici et que tu as deux pierres comme ça. Maintenant tu as deux coupes. A et B. Et ça veut dire que s'il joue ça et que tu réponds, il peut faire double Atari. Donc dans la partie, tu réponds ça, mais il peut faire double Atari. Il peut menacer de capturer cette pierre et il peut, il peut menacer de capturer les trois pierres ici. Donc si tu captures comme ça, c'est comme ça. Et si tu fais ça, il capture ça. Donc attention à vos libertés, c'est très important. Mais ça, malheureusement, tu ne peux pas faire, tu es obligé de reculer ici. S'il pousse maintenant, tu n'as qu'une seule coupe et tu peux répondre tranquillement. Encore une fois, tu essaies de bloquer au contact et ça ne bloque pas vraiment. Donc euh, voilà, Noir a vu le double Atari et je pense que c'est tout pour cette partie du coup. Est-ce qu'il y a des questions Dites-moi sur le chat, est-ce qu'il y a des questions avant la fin de cet atelier On a vu durant les trois parties, euh, durant les trois parties que j'ai commentées des choses différentes à chaque fois, ce qui est très intéressant parce que c'est du coup un atelier assez complet. Euh, que vous soyez très débutant ou un peu moins débutant, vous avez découvert quelque chose, je pense, ce soir. On a vraiment parlé de plein de choses pour débutants, hein, toujours, mais c'est très, euh, très complet comme, comme atelier euh, ce soir. Donc, j'espère que j'ai été clair et que, et que c'était OK pour vous. Du coup, on va s'arrêter là pour euh, tout simplement cette session de l'atelier. Je rappelle, il y aura un atelier. Bah c'est le mois de mai, donc euh, cet atelier, c'est fini. L'atelier prochain, ce sera en juin. Euh, je crois que je peux tout de suite vous dire c'est quand en juin. Je vous le dis tout de suite. Attendez, je, je sors mon agenda. Euh, ce sera le, euh, le 1er juin. Le 1er juin, il y a. Non, mais ça suffit là. Le 1er juin, il y aura euh, du coup l'atelier la, FFG pour les débutants. Donc j'espère vous y voir nombreux pour jouer des parties et, euh, et du coup je commenterai encore une fois les parties de cette manière. N'hésitez pas non plus, pendant qu'il y a la petite musique de fin, à me dire ce que vous avez pensé euh, du coup de, de l'atelier, si vous en voulez d'autres. Comme ça, les personnes qui organisent ça donc à la FFG sauront que ça vous intéresse, sauront que vous en voulez plus, évidemment. Et euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire vous sur la vidéo puisque vous aurez ça sur YouTube, je rappelle, chaque fois c'est mis dans la semaine, euh, peut-être demain, peut-être euh, voilà, dans la semaine je mettrai ça sur la chaîne YouTube de la FFG de la Fédération Française de Go. Donc n'hésitez pas à, à checker ça si vous voulez voir la rediff. Du coup, merci à vous pour avoir été présent, d'avoir participé, c'était très très cool. Euh, et je vous dis à la prochaine. Bye bye